Arman Charkaoui, Jean Martineau, bonsoir. Alors on va parler d'intelligence artificielle et de performance expérience avec un grand écart puisqu'on va aller dans le domaine bancaire et ensuite dans le domaine sportif. Noaman, est-ce que tu peux te présenter d'abord rapidement en une phrase ? Je vais me présenter, Noaman Charkaoui, je suis DSI du financement particulier chez Franc Finance qui est une filiale de la Société Générale. Et Jean Martineau, je suis le responsable du système d'information de la Fédération Française de Gym. D'accord. Alors on y va tout de suite, on parle là de performance d'entreprise, d'expérience client, comment ça se traduit dans le cadre de ton activité ? La banque déjà c'est la relation client à l'origine, c'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui clairement dans la relation client, si on doit classer avec les évolutions de l'IT et chatbot, ça devient l'interface à part entière après le web et après les applications. Donc c'est dire un enjeu majeur dans l'évolution de la relation client de demain. Donc vraiment relation client. Dans ton cas, c'est un peu différent, puisqu'il n'y a pas vraiment de clients, on est dans les sportifs de haut niveau. Oui, enfin de haut niveau et pas que, c'est-à-dire on anime une communauté de 320 000 licenciés, avec des baby gym, des compétiteurs 60 000, des performeurs 6 000, et de l'élite et des équipes de France, 8 équipes de France, et 600 élites à peu près. Et là, l'intelligence artificielle est évoquée ou est en perspective, en discussion ? Tout à fait en perspective. Dans le cadre de la performance des sportifs. De la planification, parce qu'on est vraiment au cœur de l'IA, dans un domaine complexe. Donc l'IA est toute désignée. Alors quels sont les enjeux dans le domaine sportif ? Les enjeux, c'est un, la réduction des blessures. Un sportif qui gagne, c'est un sportif qui n'est pas blessé. Et deux, c'est à l'inverse, il faut plus il s'entraîne et plus il est prêt à performer sur le plan international. Donc il faut trouver le bon curseur entre je m'entraîne beaucoup et je ne m'entraîne pas trop pour ne pas me blesser. Et à quel moment va intervenir l'intelligence artificielle ou sous quelle forme plutôt ? Alors au sein de l'équipe, vous avez le sportif évidemment, vous avez le préparateur physique, le préparateur mental et on a des nouveaux métiers qui apparaissent, le sport scientiste ou le data scientiste. Et donc on va agréger de la donnée pour dépasser ce cadre un petit peu purement humain et apporter de la data pure, numérique, pour dire de l'analyse prédictive, attention, le muscle il est trop sollicité, ou au contraire, on peut charger l'entraînement et de façon individuelle pour chaque sportif. D'accord. Alors de ton côté, comment ça se traduit ? Comment on améliore l'expérience client, qui est le cœur de l'activité, grâce à l'intelligence artificielle ? Quels sont les grands enjeux ? Les enjeux sont nombreux, mais je vais me limiter à trois. Le premier, c'est l'enjeu de la relation client, c'est la personnalisation. Donc ça veut dire qu'on va récupérer de la donnée sur les parcours clients pour qu'ils nous permettent de répondre aux clients au plus juste, de manière instantanée si on peut, avec le produit qu'il faut. La data pour personnaliser, pour comprendre les parcours. Voilà. Après, il y a un enjeu d'efficacité opérationnelle, c'est que les appels clients ou les parcours des clients, parfois, si c'est des questions, par exemple dans les conseils intérieurs ou autres, ou des questions d'avancement de leur dossier, de demander quelle mensualité ils ont, Et c'est des questions qui ne font pas avancer la relation client, mais c'est juste une réponse. Là, on va mettre des chatbots, orientés, qui puissent identifier et imaginer un peu le besoin du client pour lui répondre. Ils sont déjà en place ou ils sont aujourd'hui, clairement, dans les apports, dans le call center aujourd'hui qu'on a, quand on appelle un client, on a des parcours qui permettraient de l'orienter, on a des réponses, barre des touches, digitales ou autres, de répondre à qui on sait si c'est pour un tableau d'amortissement ou pour savoir quelle mensualité, il ne va pas solliciter un client en direct. Ou un opérateur, c'est là où je parle d'efficacité opérationnelle, pour nous, pour le client. Maintenant, si le besoin, et c'est un besoin de service en plus, on va prendre l'appel pour lui répondre. D'accord, donc pour les tâches à faible valeur ajoutée d'un point de vue humain, on met un chatbot qui fait bien le job et qui a l'avantage d'être en temps réel et direct. Exactement. Et dès qu'il y a besoin de se caler, d'aller à un échelon un peu plus là, il faut aller prendre le relais exactement. Pour améliorer l'expérience. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu de concurrence, puisque aujourd'hui, vous avez concurrence. Vu. Oui, tout à fait. On est dans un marché qui est disrupté par les fintechs qui arrivent et qui sont avec une relation client très personnalisée et sur des niches. Et donc là, pareil, on va faire en sorte qu'on puisse aussi deux choses où on va concurrencer certains fintechs pour qu'on puisse atteindre le même client ou bien on va s'associer à certains fintechs pour offrir le service technologique qui est offert pour qu'on puisse atteindre ce client-là. Typiquement, dernièrement, on a fait un partenariat avec Yellow qui est un chatbot sur le net pour faire du crédit et on travaille avec eux sur un sujet de ce type-là. D'accord, donc là, il n'y a pas de développement spécifiquement en interne. Voilà. Vous allez prendre les acteurs du marché efficaces pour les... Tous les choix sont possibles. Adopter très rapidement le chatbot dans... Voilà, il y a quelque chose en marché qui a montré une efficacité. Et c'est un déploiement aujourd'hui, vous avez déjà constaté il est déjà contractualisé. C'est quoi ? Le premier retour, déjà, que c'était un partenariat win-win, déjà. Oui. On va, nous, Franc Finance, on a bénéficié de cette technologie-là pour atteindre une population jeune et une population qui n'aurait pas peut-être atteindre avec d'autres moyens. Et la fintech, il a mis en place
un projet technologique avec un opérateur de marché sur le crédit. Concernant le bot, il est annoncé que c'est un bot. Il est annoncé, c'est un chatbot qui se dit son nom. Quel est le retour des clients avec les échanges avec ses premiers chatbots? Est-ce qu'ils sont positifs, les échanges avec les... Déjà, l'expérience en elle-même est positive. D'accord. Après, il n'y a pas de différence entre le client qui arrive par d'autres voies. Si on est en train d'explorer une nouvelle voie, il faut laisser le temps à l'expérience de maturer pour qu'on ait des premières conclusions à tirer. Ah, merci. Alors, côté sportif, on voit très bien l'intelligence artificielle. On le voit dans l'industrie pour la maintenance prédictive des machines en fonction de leur usage, être capable de détecter les pannes ou les problèmes. Comment ça se traduit d'un point de vue gymnastique? On a moins de data, effectivement, je crois, que dans d'autres sports. Comment vous le détectez, vous, dans la gymnastique, où finalement, il n'y a pas de... On ne prend pas le pouls des sportifs? C'est une excellente question et c'est le cœur du sujet aujourd'hui. On cherche à agréger des données qui vont permettre justement de pallier au fait que, alors que dans le rugby, vous avez énormément de capteurs, accéléromètres, combien de distances ils parcourent à chaque entraînement, dans les compétitions, etc. Nous, on cherche à qualifier la donnée qui va nous permettre, on peut quand même avec l'IoT placer des capteurs sur les gymnastes. Pardon. Un enjeu IoT, l'IoT capte et l'IAN analyse. Associé à des données type wellness, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on n'est pas stressé, enfin, on va agréger plus de données de différentes sources, la performance sportive de 6 à 16 ans, comment on fabrique des champions, comment ils étaient étant jeunes. On prend des tendances aussi dans la durée, c'est un des enjeux qui peut être... Voilà, c'est ça. Et ça, pour le coup, on a déjà la donnée en interne, donc charge à nous de l'analyser pour arriver là, mais... L'enjeu aujourd'hui, c'est de placer pour les 5 prochaines années ce qu'il nous manque pour faire de l'analyse prédictive quand les modèles seront déployés demain. Merci monsieur en tout cas. Merci.